Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de mon let's play sur The Witcher 2 Assassins of King. Alors, dans le précédent épisode, on a été récupérer un échantillon du mucus du Kerran et on a découvert qu'il était malade, voire mourant. Et je ne sais plus ce qu'on doit faire après. On va attendre quelques secondes et puis je vais regarder. L'eau de saleté de... Attendez. Trouver de l'osmorose ou combattre le Kerran avec Sheila. De l'osmorose. Mais il lui fallait pour cela de l'osmorose. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas. En tout cas, je suis la direction qui m'a indiqué. Voilà, je peux pas passer. Non mais au lieu de mettre un rocher, une falaise ou je sais pas quoi, ils mettent un lac qu'on peut pas passer. C'est quoi ça? Clé du capitaine du Petra Sicily. Examiner l'épave. Gloup, gloup, gloup. Rapport du capitaine. Alors, c'est où les bouquins à lire? Journal du capitaine. Journal du capitaine du Petra Sicily. L'expédition à Loch Muin a été une réussite. Voilà qui plaira certainement à la fois au roi Foltes, qui a généreusement soutenu cette expédition, et à l'Académie Oswen. Oswen a l'air particulièrement ravi. Je n'avais encore jamais vu de sorceleur sauter ainsi de joie. Oswen a tenté d'inciter l'équipage à se rebeller en leur offrant les objets de valeur que nous avions découverts, pour pouvoir garder les artefacts pour lui. Heureusement, les officiers de Foltes sont restés loyaux. Après la traversée de Vergen, une bataille a éclaté et le Derding a fini par couler. Nous avons dû fuir, sous les attaques incessantes des harpies invoquées par Oswen. Oswen a beau reposer au fond de la rivière, le sort du sorceleur attire encore des... Le sort du sorceleur attire encore les monstres. Les soldats ont repoussé courageusement les créatures qui nous attaquaient. J'ai pratiquement terminé mon rapport pour Oxenfurt, qui résume les résultats de notre recherche et indique l'emplacement du Derdin. Nous y sommes presque. Rapport du capitaine. Copie sous scellée du journal du Petra Sicily. Il s'agit d'une réplique exacte du journal du capitaine du Petra Sicily. Elle porte une élégante note à l'intention de sa magnificence, le chancelier de l'Académie d'Oxenfurt, à remettre par l'intermédiaire de la poste royale. Mandat d'arrêt, c'est quoi? Ok, donc ça c'est pour... Qui à Flotsam s'occupe de la poste royale? Je pourrais lui déposer ça. Voilà, donc... C'est quoi? C'est lequel? La rivière mystérieuse, voilà. Donc apparemment... Ok, est-ce que je peux... Oh, suivre celle-là, ouais. Oui, ok. Trouver la poste royale. Bon, on va repartir par où on est venu, hein. C'est quoi ça? C'est quoi cette structure? Un pilier de pont? Je sais pas. On peut pas y aller, ok. Bon bah on est reparti. Hein. C'est par où la sortie? C'est par là, je crois. Ah, elle aurait quand même pu m'amener par son portail. Hein. Ça fait deux fois qu'elle me fait le coup, elle se casse dans un portail et puis elle me laisse tout seul. Gloup, gloup. Ah. Voilà, bon, alors, trouver la poste royale.
Hop, putain, heureusement qu'on peut pas tomber, hein. Parce que là, j'y avais droit. D'ailleurs, ça me fait penser, hop, une petite sauvegarde, ça fait jamais de mal. Moi, je sais pas ce qui m'a pris d'aller comme un fou vers le bord. Les piaf. Je suis pas descendu par là, c'est pas vrai. C'est quoi ce pont? Ok, bon, je ne sais pas ce que c'est. Ma carte, fais voir. Alors, où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Je suis là. Ok, bon, je sais pas ce qu'il faut que je fasse là pour le moment. Je vais certainement changer de quête parce que la poste, bah, il me l'indique pas, donc c'est que je dois pas la, je, elle doit pas être là ou je la trouverai plus tard en passant. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Mais non, mais arrête de voir, voilà. Bon, heureusement, les ennemis ne repopent pas. Enfin, heureusement. Disons que ça va plus vite comme ça. Les fameux chargements de Witcher. Alors, hop, on continue. Tiens, quelle quête je vais faire? Bon, didacticiel, si on pouvait virer le didacticiel, c'est quoi ça? Personnage. Ah, d'accord. Monstre, Necker. Imaginez une créature plus vicieuse qu'un noyeur qui se tapit sous terre, grimpe aux arbres et tend des embuscades avec nombre de ses congénères. Gardez cela à l'esprit et vous aurez une image fidèle du Necker. Ces créatures primitives sont le fléau des zones sauvages. Les habitants de la forêt les craignent et les animaux évitent soigneusement leur nid. Les Neckers, créatures sociales, se réunissent dans ce qui ressemble à des tribus, car ils ne peuvent se défendre qu'en masse. Ok. Artisanat, écorcheur. Développement du personnage. Ah, ça, c'est didacticiel, alchimie. Pas d'objet. Okay. Les quêtes. Alors, proposition immorale. Ouais, ça, il faut que j'aille voir Loredo. Oh, tiens, allez hop. En espérant que la nuit elle a passé. Enfin, que j'arriverai au bon moment. Ouh! Y a une petite plante là. Cueillir des plantes, ok. Et c'est par où? Où il est le chemin? Je suis où là? Je suis là. Je sais pas du tout où je dois aller. Est-ce qu'il faut que je monte par là? Tout cas, c'est ce que je fais. Oh putain, il est obligé de sauter un rebord de 20 cm de haut, c'est extraordinaire ça. Bon sang. Et me dit. Mais attendez. Non, mais je suis en train de repartir vers le. Bah oui, je repars. Comment j'ai pu faire un demi-tour comme ça? Et hop, un petit peu de gymnastique. Voilà. Attendez, il y a une carte là, en haut. Bon, je ne mets pas assez de la mini-carte. Qu'est-ce qu'il m'a montré là? Non, rien.
savez quoi, j'ai l'impression que je remonte. Je suis perdu. Bon, je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je retrouve mon chemin parce que là, ça sert à rien. Donc, à tout de suite. Bon, ben, me revoilà. J'ai retrouvé assez facilement. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte, mais... Dans la soirée. Oh, putain, faut chier. Bon, apparemment, cette je peux bite pas le de faire. Loredo est monté sur ses grands chevaux. Bah, je comprends. Tu penses qu'elle aura... Je comprends pas, c'est là que je dois aller. C'est là que je dois aller. Est-ce que je peux faire le tour? C'est quoi ça? Ça c'est le zoom. Ok. Bon, on va chercher content une autre quête. Content qu'on se serait mis d'accord. Contrat sur les Necker. Malena. Ah bah tiens, je vais aller faire celle-là. Je vais aller faire celle-là. Parfois, faut savoir serrer les dents pour mieux mordre plus tard. Oui, mais comment j'y vais? Ah, il faut que je ressorte de Flotsam. Non? Non, peut-être qu'en passant par là. Mais pourquoi il m'a pas laissé rentrer? Qu'on m'explique, hein. On vous attend ici. Faites vite. T'attends qui, moi? T'as le droit de prévenir, hein. Faire une petite sauvegarde. Voilà. Elle descend. Alors, je sais plus lequel c'est. Le... C'est celle-là que j'ai d'équipe. Non, c'est laquelle j'ai d'équipé, bon sang. Épée longue. Oh, non, je ne sais plus à quoi elle sert. Je sais plus lequel c'est pour. Bon, tant pis, on verra bien. Là quand même, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde, mais dégage. Ouais, il y a du monde là et je peux pas. Ok, on va attendre un petit peu. C'est peut-être pas la bonne arme que j'ai. Ok, pendant qu'on est là, hop, allez. Ah oui, là. Mais putain, la caméra m'embête là. Allez, viens. Putain, ça fait deux que je rate. Allez. Bon. D'accord, il faut que je les prenne un par un parce que là, ça va pas. Ils sont un peu beaucoup quand même. Puis les crétins de garde qui m'attendent à l'extérieur, ils pourraient pas venir, non. C'est contre leur religion, ça, hein. Allez, saute, suicide-toi. J'ai l'impression que je vais galérer dans cette zone-là. Et puis la caméra me convient pas des masses. Allez, viens toi. Je vais essayer de les faire un par un. Allez, viens. Allez! Allez.
Mais viens, mais t'en vas pas. J'en ai encore pour toi. Putain, mais... Ah, quand même, j'arrive à en toucher un de temps en temps. Et viens. Viens. Merde. Ah, sauvegarde impossible, bien sûr. Allez. Allez, viens. Merde, putain, mais ils font mal, ces cons. Oh, mais putain, comment je vais faire? Peut-être qu'en changeant de signe. Peut-être celui avec le vent. Enfin, l'espèce de souffle d'air. Hard, là. Ah, puis je sais ce que je vais faire. Allez, je vais essayer d'en attirer. Allez! Oui, j'ai pas changé d'arme. Allez, dégaine. Allez. Putain. Je crois qu'ils ont pas... Non, mais je vais garder mon igni parce que ça va... Mais arrêtez de bouger. Si vous voulez que je vise bien. Allez, allez, dégage. Oui, ils savent plus où je suis. Je les ai semés. Putain. Je me cache. Bon, je vais ramasser la plante parce qu'elle va m'énerver. Allez. Ah merde. Ah, je peux en rebarrer. Ok. Bon, on va sauvegarder. Allez, descends. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Est-ce que j'ai pas des bombes ou des conneries comme ça? Amélioration d'armure. Non, de toute façon, potions, je peux pas les prendre. Piège, j'en ai pas. Bombe. J'en ai qu'une. Et ça, c'est quoi? L'heure pour harpie. Ok, j'en ai rien à battre. Bon. Alors, comment je fais pour faire défiler le... Voilà. D'accord, ok. Putain, il faut que j'aille les chercher, c'est con. Mais pourquoi ça marche pas, là? Il y a un caillou devant, c'est ça? Allez. Merde, non. Ils n'apprendront donc jamais. Bon alors, tu prends des dégâts ou pas? Est-ce que je peux réutiliser le piège? Je sais pas, si je comprends pas. Pas d'objet. Potion. J'ai ramassé le piège de seconde main, je comprends pas ce qu'il me fait là. Bon, tant pis. Allez. 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 Je me fais défoncer le cul, hein, ça c'est... Faut en avoir conscience. Oh, quand même, il s'est fait toucher, putain. Oh, ils sont nettement plus malins que... Ou alors c'est moi qui suis plus mauvais. C'est certainement
un des deux. Allez, viens. Putain, je les gâche. Allez. Défonce-le, voilà. Ok, ok. Pas du tout ce que je voulais faire les cabrioles, hein. Je me suis trompé de touche en fait. Je voulais balancer du feu. Toujours pas sauvegardé. Parti sauvegardé, ok. Allez. Ouais, bah vas-y. Putain, mais... Apprends à viser, gros con! Putain, allez! Non, tu m'as pas vu, Je suis pas là. Est-ce que je peux. Là, est-ce que je peux prendre une potion? Méditation. Potion. Qu'est-ce que j'ai comme potion? Hirondelle. Augmente leur gain de vitalité. Voilà, entrée. Boire. Oh putain, ben dis donc. Allez, redonne-moi la main. Oui, ça y est. Ok. On quitte. On sauvegarde. Sors l'arme. Bon, on va récupérer quelques bricoles quand même. Déjà, ça m'en aidera plus quand je voudrais avancer. Puis j'ai pris ma potion, mais... Tout prendre. Ok, ruine du soleil. Ah. Ça peut être une piste. Ouais, putain. Il n'y a pas de bestioles par ici. Là, il y en a. Allez, avance, voilà. Là, ils savent pas que t'es là. Ils sont tellement stupides qu'ils savent pas que t'es parti. Allez. Ok. Il y en a encore combien ici ? Oui, bah c'est exactement ce que je me posais comme question. Il repop à l'infini ou quoi? Oh merde, on est un peu plus malin que les autres. Ça peut coûter cher d'être plus malin que les autres, hein. Oh putain, j'ai pris cher. Oh là. Merde, c'est pas... Je ne fais que passer. Oh putain, il m'a chopé au vol là. Allez. Hop, on est en sécurité là. Putain, mais il y en a combien là? Faut voir qu'est-ce qu'il me met comme la carte. S'il faut que j'aille là, bordel.
il faut que je le défonce, le guerrier, là. Allez, allez. Ah, merde, putain. Oh, merde. Attendez, j'en suis au niveau de la quête, là. J'ai rien trouvé de plus. Ah oui, ben je sais bien ce que je suis en train de faire, mais j'avance pas. Et comment je sais quelle arme je prends? Parce qu'il y en a une pour les... Pour les, comment dire, les hommes et les humains, et puis il y en a une autre pour les monstres. Hop là, qu'est-ce que j'ai vu là? Fer. Bon ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'ils sont passés. Là, à examiner. On a traîné un corps par ici. Je vais sauvegarder. Je peux pas sauter là, non. Mais où je suis? Je pensais que j'étais par là, moi. Mais je suis mauvais à ce jeu. Mais où ils sont partis? Attendez, il y a quelque chose là-haut? Ah, il y a quelque chose là-haut, ouais. Mais oui, mais comment... Comment j'y vais? Comment j'y vais, moi? Un endroit où je peux monter, non? Ah oui, bah, et tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire monter de sur l'ensemble de la corniche, hein, c'est... Okay, pourquoi je saute? Ok, je vais là. Qu'est-ce que ça me fait d'être ici? À quoi ça sert? Bon. Voir la carte. Malena, ouais, mais... Je comprends rien. Je ne comprends rien, cette grotte. C'est quoi ça? Je sais pas. Je viens de là, donc c'est pas par là qu'il faut que je ne comprends rien, cet endroit. J'avais des sauvages qui m'attaquaient de partout. Là, il n'y en a plus un seul. Encore du sang. Ok, bon. Ah, ici encore. Non. Il n'y a pas à examiner le sang, là? Non. En tout cas, ils m'ont fait mal au cul, hein, les salopards. C'est autre chose que ce dieu, hein. Ok, donc là... On n'examine pas la trace de sang, là? Par où je crois? Voilà, par là. Des flèches de Skoyatel. Tout est clair. Ok, parlez à Malena. Et là, je vais par où? Par là? Bon, on va sauvegarder ici. Et on va aller jusqu'au bout pour voir ce qui est... S'il y a quelque chose. Ok, c'est quoi ça? Bon, bah, il y a une échelle. Je sais pas du tout où elle m'amène.
Ok, monte. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Bah oui, tu pouvais pas me le dire plus tôt que je... ça serve à rien que je monte. Alors cette zone était quand même étrange. Bon, je suis pas encore sorti, mais a priori ça devrait aller maintenant. Si j'arrive à descendre, je pourrais passer au travers, s'il y a du monde. Mais les enfoirés, ils m'ont bien défoncé. Puis finalement, j'ai consommé une hirondelle pour pas grand chose. Mais je comprends pas où ils ont disparu, ces cons. Et je crois que c'est par là. Pourquoi ils ont disparu? Il fallait que je meure un certain nombre de fois avant qu'ils disparaissent, c'est ça? Bon, c'est pas que je me plaigne particulièrement qu'ils m'oublient un peu, mais... c'est pas très compréhensible. Allez hop, grimpe. Attends. Putain, non mais j'y crois pas. Là, il y a un mur. Il y a un mur. Et j'avais déjà trouvé ça dans le premier. Et il marche que. Ah non, il marche des deux côtés cette fois. Il marche. Ah, c'est peut-être un rocher. Oh oui, non, mais il y a un rocher de 10 cm, ça doit être ça. Tiens, moi je fais de la cueillette en attendant. Bon, on va sauvegarder parce que je sais pas si ça va continuer ou pas. Vous avez trouvé quelque chose? Deux soldats. Que leur est-il arrivé? Qu'est-ce que je fais? Criblé de flèches, hein. Après tout, on n'est pas là pour mentir. Ils sont morts. Criblé de flèches. Je ne sais rien de cela. Qu'en dites-vous, sorceleur? Il semble que deux soldats erraient dans les grottes pour faire fuir des monstres. Ou peut-être quelqu'un les y a-t-il poussés. Je ne sais pas combien de monstres ils ont tués, mais une chose est sûre, les Scoia'tael les ont eus. N'importe quoi! À ce que je sais, les Necker n'utilisent pas d'arc. Messieurs, trouvez-lui un arbre! Non! Je vais tout vous dire! Épargnez-moi par pitié! Oui, bah ça, j'ai constaté, ils n'ont pas besoin de leur arc. Hein. Parlez. Parlez. Vous devez voir ça. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre. Voir quoi, putain? Elle nous ment. Passez devant. Passez devant. Ok, suivez. Bon, je vais mettre un terme à l'épisode maintenant. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous aura plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des pouces. Voilà, merci, au revoir.